Saint-Laurent Cartierville. Monsieur le Président, au sujet des ministres qui ne communiquent électroniquement que dans une langue, la ministre du Patrimoine m'a répondu qu'il s'agissait de messages personnels. Pourrait-elle expliquer pourquoi les francophones n'ont pas droit aux messages personnels suivants de la ministre de la Santé? Il est important de faire vacciner vos enfants. Cliquez ici pour plus d'informations. Veuillez lire le message suivant si vous êtes fumeur. Pêche. Rappel important. Les pêches ont jusqu'au 12 avril pour se conformer. Les francophones n'ont-ils pas droit à ces messages d'intérêt public? Madame la ministre de la Patrimoine canadien. Thank you once again. I'd like to... Merci. Je tiens à remercier le député d'avoir répété les messages qui sont importants pour tous les Canadiens. D'abord, les communications officielles du gouvernement sont toujours en français et en anglais. Le ministre prend le temps aussi de transmettre des messages sur le compte personnel. Nous les encourageons évidemment à envoyer des messages lorsqu'ils veulent faire des communications officielles. On les encourage à faire en français et en anglais, mais pour les comptes Twitter dont on parle ici, ils ne sont pas assujettis à la loi sur les langues officielles.